En tout cas. Hi! Oh! Mais salut, grande gueule, c'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. Oui, allô, Sonia, ben oui, Jonquière. Tu sais, la ville où le gars du camion de récupération cale des fonds de bouteilles avant d'y pitcher dans le troc, là. Ouais. C'est terrible! Hey, les gars, oui? Avez-vous tu apprise la nouvelle? On l'a tu, oui. Non. Je me suis finalement marié. Arrête, ouais, c'est fait, là! Me suis finalement marié. Et comme vous pouvez voir, c'est pas qu'un prof de français. Ouais. Mais c'est avec le gars qui voulait pas faire l'amour avant le mariage? Exactement, avec Jimmy, mon chum, qui voulait pas avant nuit de noces. Fait que la veille du grand jour, José, je suis allé pour essayer ma robe. Ouais. Une belle robe. En fait, j'ai surtout essayé de l'enlever pour voir si ça se faisait rapidement, puis je l'ai adoré. Ah ouais? Elle tombait très bien. Parce que c'était l'enfer. J'étais tellement en manque là, que je voulais que ça se fasse vite le soir de la noce. Ben oui, je comprends. Fait que quand le curé a dit « Voulez-vous prendre pour... » J'ai répondu « ben oui, ta gueule. » Puis j'ai frenché Jimmy en le désipant. Ah ouais? devant tout le monde, j'imagine. Ben oui, puis m'a dit « Jimmy aussi, ça y tentait, là. » Oui. Hey, parce que plus l'heure avançait, plus ses yeux de petit chaton amoureux se transformaient en regard assassin de lion affamé qui spot une gazelle. Ah. Hey, y a rien qui m'a pas fait, Richard. Oui, l'amour est dans le désir, hein? Et tellement, et dans le prix. Oui, dans le prix, Marie-Ève Janvier. Oh, c'est tellement intense, là. Non, mais y a rien qui m'a pas fait le fouetter, menotter, étrangler. Hey, puis on est encore sur le perron de l'église, là. Ah oui? Hey, le monde voulait nous voir avec notre union, là. Mais crée-moi qu'ils nous ont vu nous unir sur un moyen temps. Ah oui, vous avez fait ça live. Ah, c'était terrible. Mais t'as pas de gêne, hein? Pas beaucoup, non. Mais rendu à réception, on a juste eu le temps de faire la valse de la mariée parce que Jimmy flashait lumière comme d'un lascar. Ah ouais? C'est bon, merci tout le monde. Hey, depuis ce temps-là, là, il veut tout le temps qu'on le fasse, là. Écoute, on le fait pendant toute la nuit. Hey, il me reprend sur le comptoir le lendemain en attendant ses toasts. Il me garde la main droite en me donnant un lift à l'ouvrage. Il est terrible. Mais tu dois être heureuse parce que c'est ça que tu voulais, toi. Ben, je suis pas sûr, là, parce que tu sais l'expression bête de sexe, là. Oui. Ben, je l'ai comprise. Il me bardasse comme un grizzly. Ah. C'est l'enfer, là. Hier, j'ai essayé de le raisonner, José, là. J'étais au IGA. Hein? Assis dans le congélateur sur un sac de frites pour calmer l'enflure. Mais il voulait rien entendre. Il a dit, ça fait 35 ans que j'attends, il n'y a pas question que ça arrête, là. Avant de me donner une goutte devant l'aquarium des homards qui rougissaient même dans l'eau froide. Ouais. My! Au début, José, j'étais heureuse comme une pucelle pour répondre à ta question d'il y a trois jokes. Ouais, mais je comprends qu'il fallait que tu nous places le IGA puis les homards avant, là. Ouais, puis j'ai bien compris que les frites, t'es à côté des homards, ce qui est rare dans une épicerie. Oui, ben, dans le congélateur. Ça reste des produits. Non, c'était pas congelé, là. Non. Ça reste des produits de la mer. C'est vrai. Les frites, l'homard, hein. C'est des crustacés. C'est oui, ça, des crustacés. Ben, oui. Ça reste des crustacés, mais quand même. Au début, j'étais heureuse comme une pucelle, mais là, plus le temps passe, plus mon plaisir devient de l'angoisse. Je ne sais jamais où, quand ni comment il va me prendre, là. Écoute, il arrive à mon salon sur l'heure du lunch avec pas de lunch pour me gâter dans le backstore, là. Hey, ça fait une semaine que j'ai pas dîné, moi, là. Hey, sérieux, il va falloir qu'il slack un peu, Jimmy, là. Hey, mon entrejambe a l'air de quelqu'un qui sort d'une bataille de rue. Mais t'es bipolaire, parce que la semaine passée, tu nous as appelés, oui. Tu nous as dit le contraire. Oui, mais on les avait fait, ces jokes-là. Non, mais elle a comme trouvé quelqu'un qui était vraiment pire trop qu'elle. Pour elle. Non, ouais. Non, là, c'est trop, là. Il m'a tout usé, là. Ah. Hey, au début, c'était étroit comme un trou de mulot, puis là, je suis sûr qu'une marmotte pourrait passer en faisant des jumping jacks.